Necroz, bienvenue aujourd'hui sur Bendy and the Ink Machine. Yo les Crocetto Chicro et bienvenue aujourd'hui sur Bendy and the Ink Machine. Qu'est-ce que Bendy les Crocs? Je n'en sais rien, absolument rien. L'univers a l'air assez original, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je sais pas à quoi m'attendre, on m'a dit que c'était un horror game. On m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait de l'horreur là-dedans. Je demande à voir. Ok, on a une petite lettre de Joey Drew qui nous dit « Cher Henri, ça fait genre 30 ans qu'on bosse ensemble sur un cartoon. Si tu reviens en ville, rends-moi visite à l'ancien dépôt de... Bah là où ils bossaient les mecs. Donc en fait, ouais, ils créaient carrément un cartoon depuis 30 ans. Donc viens à l'entreprise, j'ai quelque chose à te montrer. » Eh bien écoute Joey, c'est avec plaisir que j'accepte ton offre, ta requête. J'arrive mon pote. Chapter 1, Moving Pictures, et on y est. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Alors, en gros, on a dit, Joey, je suis enfin là, voyons voir ce que t'as à me montrer ici. Ok, alors déjà l'ambiance, il y a un truc. Il y a une petite patte, on ressent la petite papatte. Non, en fait, on se croirait carrément dans un cartoon, c'est marrant, regardez, il y a des affiches de cartoon. C'est vraiment, sympa. Bon, par contre, t'as une espèce de fond sonore là qui te met bien dans le truc là. Regardez ça là. Une espèce de Mickey sans oreille. C'est un Mickey sans oreille. Alors, il y a un chien derrière chez moi qui arrête pas d'aboyer. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, j'espère pas. Putain de chien. Je l'ai flingué cet enfoiré. Eh bien, écoutez, Croz, on va essayer d'aller par ici. On va essayer de visiter un petit peu. Dreams come true. Les rêves deviennent réalité. Putain, et si ce genre de truc prend vie, les Crocs, je vous préviens, je vais pas être bien. Et vous non plus, je pense. Alors, on va essayer d'ouvrir les portes. Tout est fermé. Ink Machine. Ah bah tiens, c'est le titre du jeu. Du coup, ça a peut-être un rapport. So this is the Ink Machine, huh? Wonder how you turn it on. Alors voici la Ink Machine, ça serait bien que je la redémarre. C'est peut-être... Putain, j'imagine le scénario, genre cette machine créée... des monstres cartoon. Ça serait magnifique ça. Putain, j'ai trop peur qu'il y ait un truc qui me saute à la gueule. Bah écoute, on continue les Crocs, on est bien parti. Oh, regardez, il y en a encore un là. Il y a encore un Mickey sans oreille. Salopard. Ça je sens. Wow. Calm down. C'est juste une planche en bois. What? T'es qui toi? Le Slender cartoonien? Oh Joey, what were you doing? Oh mon dieu, Joey, qu'as-tu fait? On dirait que Joey a pété les plombs. Hein. À mon avis, il a créé un cartoon et il l'a disséqué dans le plus grand des calmes. Who's loading now? Putain, j'ai vraiment un accent de merde. Qui rigole maintenant? Eh mais putain, c'est dingo! Mais c'est dingo! Regardez, il y a un museau en chien. C'est dingo! Putain, il a disséqué dingo, l'enfoiré. Continuons. Low pressure. Alright, how do I get this to work? Alors, on a un levier à baisser pour démarrer la machine, sauf que, regardez, ici, il faut qu'on chope 6 objets de merde qu'on va devoir essayer donc de trouver dans cette espèce de studio cartoonien. Donc voilà, on a une roue, on a une clé, on a un livre, on a un teddy, on a une note de musique et on a un bocal. C'est parti! Ah, je suis chaud avec Rose. Plus rien de me... Ah! Oh, who put this here? Plus rien ne peut me faire peur. Qu'est-ce que tu fous là, Mickey sans mouse? Qu'est-ce que tu fous là? Putain, c'est énorme parce que regardez, quand je vise Mickey, il y a une espèce de flou qui se met derrière en fait. Et quand je vise derrière, le flou vient... Il y a une espèce de focus, je crois que j'ai jamais vu ça dans un jeu. C'est super bien foutu. Regardez. Regardez-moi ce focus là. Non mais j'hallucine. Next Gen. 4K Next Gen, les Crocs. On y est, là. Ah, il tient un instrument de musique, tiens. Ça, c'est peut-être un indice. T'as pas une note de musique pour moi? Oh, mais si. Si, si. Bah, merci, Dingo. Merci, Dingo. Par contre, te réveille pas, Dingo. S'il te plaît, fais pas le con. Et vous, arrêtez de bouger, là. Bon, je commence à le sentir un peu moyen, cette histoire, là.
va clairement y avoir un truc qui va me tomber dessus. C'est dommage que les portes sont fermées. Attendez, peut-être qu'elle elle est ouverte. Oh, il y avait une lumière, elle s'est éteinte quand je me suis approché, ok. Devait y avoir un petit monstre derrière. Putain, je me souviens même plus de ce qu'il faut, les crocs. J'aurais dû prendre des notes, vu ma mémoire de poisson. J'aurais trop dû prendre des notes, putain. Je sais qu'il nous faut une roue. C'est quoi ça? C'était quoi ce bruit là? C'est ça? Ah, c'est bon, c'est ça. Rien de paranormal. Attendez. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. C'est mon ancien bureau, j'ai passé tellement de temps sur cette chaise, d'accord. Donc c'est le bureau de Henry, le mec qu'on incarne en fait, tout simplement. D'accord. Donc c'est toi qui as créé les Mickey sans oreilles. C'est très ingénieux, n'empêche. Croyez-moi, les crocs, j'en ai de l'expérience dans l'horror game, et quand je dis que je sens un truc approcher, c'est qu'il y a un truc qui va s'approcher. Bon alors, pour l'instant, j'ai fait le tour de la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement... Oh ah. On va simplement mettre ce qu'on a trouvé pour le moment. Donc on a trouvé le... On a trouvé la... Je sais plus... Ah non, ça se met direct. Ah, ça se met direct, ok. Donc là, on a trouvé la petite peluche, qui m'a bien fait peur, cette salope. Et la clé, la petite clé, d'accord. Donc il nous faut encore un rouage, un livre, une note de musique et un bocal. Oh là là, putain, ça va. Dingo, t'es toujours là. Dingo, tu... Putain, attendez, ça me fait penser, il n'y a plus la pancarte. La pancarte, elle était ici. Je m'en souviens très bien, putain. Elle s'est volatilisée. Oh non. Oh. Yes. Yes, le rouage. Yes, le rouage. Putain, on a 3 sur 6. Oh. Oh, le disque. Oh, le disque, tu me fais plaisir. Oh putain, je commence à perdre espoir là. Je commence vraiment à perdre espoir, c'est bon. Ouh. Oh, le bocal. Ah, c'est du poison en fait. Oh. Oh oui. Oh oui. Ça, c'est bon ça. On va empoisonner Mickey Mouse. Donc le poison est là. Il nous manque plus que le livre, les crocs. Plus que le livre. Et on aura le fin mot de cette histoire. Ok, les crocs, le livre est là. Je vais vous expliquer une petite histoire, parce que là, c'est juste incroyable. J'ai passé plus de 3 quarts d'heure à trouver ce putain de livre. J'ai été sur Internet pour voir les positions des objets, sauf que, va savoir pourquoi, dans ma version du jeu, les positions sont totalement différentes. Bref. Bon, bah on a le livre, les crocs. Nous avons ce putain de livre. Ok, c'est tout. Maintenant, j'ai juste besoin de mettre l'ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Alors, on a les 6 objets, il nous dit d'aller dans la salle de film. Là où il y avait le machin. Enfin, vous m'aurez compris, quoi. Non ! Non ! Non ! Vous avez vu ? Il est là, c'était lui. Il a dépassé sa tête, là, cet enfoiré. Et alors ? Oh putain, attendez, ça, il se passe des trucs. Ça s'allume. Bon, on a allumé l'écran. On va maintenant aller rétablir le... Putain, il souriait pas tout à l'heure. Alors, vous verrez ça dans la vidéo. Revenez en arrière, j'avais pas l'impression qu'il y avait un sourire. Ouh là là, j'ai des doutes. Là, honnêtement, j'ai des doutes. Oh putain. Voilà, c'était ici. On va mettre le courant ready. Est-ce que vous êtes ready, les crocs? Let's go. Wouh. Et maintenant, que faut-il faire? Toi, t'es toujours là, ok? Attendez. Ah, mais la machine! Je suis con, la machine! Ah! Oh putain! Wow! Wow, 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 wow. This will definitely come in handy. J'ai des putains de frissons là. Le créateur nous a tous menti. C'est ça qu'ils sont en train de dire sur le mur, ok. Allez, faites ça. Oh la vache! Ce screamer! C'était quoi ce screamer, sérieux?
clear an old pass, putain. Ok. Trouver un autre passage. Il nous dit de trouver un autre passage, ce petit enfoiré. Oh là, il y a du satanisme dans l'air. Ah putain, ça finit comme ça, sérieux? Ok. Support chapter 2. Donc on a fini le chapitre 1. Donc un chapitre 2 est censé sortir. On peut le supporter. Le supporter, ça se dit. On peut le supporter à l'adresse qui s'est affichée. Ben écoutez, et franchement, très bonne ambiance. Franchement, une ambiance de dingue. Alors le seul problème, c'est que j'ai été bloqué pendant environ 3 quarts d'heure, sans vous mentir. J'ai jamais vu ça. De toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai jamais été autant bloqué à trouver ce putain de livre. Mais on a fini par le trouver, c'était très très cool. Il est gratuit, les creux, je mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Regardez ce petit enfoiré de Mickey sans oreille. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les creux. N'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Merci aux tipeurs pour votre générosité et votre soutien. J'ai vu un truc au fond qui s'est rapproché de moi. Peut-être le chapitre 2. J'ai hâte. Si le chapitre 2 sort, je le fais direct. Bref, les crocs, je vous laisse là. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao.